La deuxième signification, c'est les effets de sa parole. Alléluia. C'est ça la signification des mots de bas. Les mots de bas, quand je demande, peut-être à l'interrogation et à l'examen, je vous dis, quelle est la signification des mots de bas? Expliquez le mot hébreu de bas. Vous allez me dire ces deux significations. La première signification, c'est quoi, ma soeur? La parole de Dieu. Et la deuxième signification, c'est quoi? Les effets de la parole. Ok. Alors, Esaïe, combien? Qui est là? Esaïe 55, verset 10 à 11. Mon frère, n'est pas allé au-delà d'une minute de cette vidéo, parce que ça ne peut pas, ça ne sera pas bien envoyé. Ok? Ok.